Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, une vidéo un petit peu particulière, donc en fait je t'invite vraiment à partager cette vidéo un maximum. Tu vas comprendre pourquoi, pour moi en tout cas, pour ma part, je considère que le message est important. Donc voilà, boire de l'eau et nourrir la paix, peut-être que ça te parle déjà. De toute façon, tu as dû voir le titre qui va certainement dans ce sens. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo que je t'invite à partager un maximum. Tu as dû voir sur les réseaux sociaux, il commence à y avoir un message qui passe par rapport à un mouvement qui s'appelle le mouvement Bois l'eau et nourrit la paix. Voilà, je trouve l'initiative vraiment excellente, ce qui m'a donné envie justement de faire cette vidéo. Il y a même quelqu'un qui me l'a carrément envoyé par SMS, donc merci Nicole. Voilà, donc je voudrais te parler de ça, t'expliquer comment ça fonctionne. Et c'est hyper simple, mais c'est super, c'est vraiment une très très belle initiative, c'est très simple, ça te coûte que dalle. Et c'est un message de paix et d'amour pour le monde entier, y compris pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Voilà, donc à prendre en considération, je crois. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est le mouvement donc Bois l'eau et nourrit la paix. L'idée de base de la campagne Bois de l'eau et nourrit la paix est d'amener chacun d'entre nous, au moment où il boit de l'eau, à chaque instant, à intérioriser la phrase suivante. Okay, donc intérioriser, ça veut dire que quand tu bois un coup, okay, tu penses à cette phrase. D'accord, tu peux la dire à voix haute, mais en y apportant de la valeur. Okay, tout comme aussi tu peux y penser en y apportant de la valeur. C'est une phrase très courte, très simple. La phrase est la suivante. Le monde est en paix et moi aussi. Le monde est en paix et moi aussi. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'à chaque fois, c'est très simple, tu vois. À chaque fois que tu bois de la flotte, ok, attends, j'ouvre ma gamelle d'eau, hop. À chaque fois que tu bois de l'eau, ok, de penser à ça, ok, le monde est en paix et moi aussi. Et d'avoir cette pensée, cette intention particulière de penser, de souhaiter la paix dans le monde. D'accord ? Et j'adore cette idée parce que ça peut. Il n'y a aucun effort là-dessus. C'est très simple. C'est juste tu bois un coup d'eau, bah, en association d'idées, en fait, finalement. Quand j'associe l'idée, c'est juste d'associer le fait que dès que je bois de l'eau, je pense à cette phrase. Voilà. Ça amène à conscientiser finalement. Donner de l'importance à ce que je fais, peut-être, hein. Et puis envoyer un message fort. Et tu vois, ainsi, comme ils le disent en fait, hein, je lis un texte parce que j'ai recopié vite fait ce que j'ai vu dans le message. Ainsi, sans effort, des millions de personnes par heure vont répéter, prier ou mentaliser cette phrase riche de sens, tu vois. Le monde est en paix et moi aussi. Et ça, c'est un impact énorme. Parce qu'on vit dans un monde d'énergie, même si on appelle ça de la matière, d'accord ? Tout ça, c'est que de l'énergie. Donc l'énergie, ça vibre en permanence. Et le fait justement d'être des millions, voire peut-être même des milliards de personnes comme ça, à avoir ce type de pensée, souhaiter la paix dans le monde, pour le monde, pour soi, eh bien, on va tous ensemble, comme ça, on peut amener une énergie qui converge dans la même direction. Et qui peut justement aider cette paix à s'installer dans le monde. Voilà, parce que je crois que tu n'es pas sans savoir qu'on vit une période assez particulière, de forts changements. On a deux mondes qui se divisent complètement, qui sont de plus en plus marqués. Et voilà, et donc pour sauver tout le monde, si je puis dire, bien, je trouve ce concept vraiment excellent. J'aurais aimé y penser moi-même, en fait, pour tout te dire. Voilà, c'est sans effort. Il suffit, à chaque fois que tu bois de l'eau, ok, tu penses à cette phrase. Le monde est en paix, et moi aussi. Voilà. Je finis de te dire ce que j'avais noté par rapport à ça. Ils disent aussi, tous ensemble, en fait, nous formons un courant de vibration de haute fréquence en faveur de la paix. Le pouvoir de cette action, intention, se renforcera et se multipliera à chaque fois que quelqu'un rejoindra le mouvement. C'est ça qui est génial, c'est que plus on est nombreux, plus c'est fort, et plus ça agit, et mieux c'est. Voilà. Si ce message vous touche au cœur, je vous remercie pour votre engagement à faire de ce monde un lieu de paix. Et moi aussi, je te remercie vraiment de faire de ce monde un lieu de paix. C'est vraiment une super initiative.
Moi, en tout cas, je vais l'appliquer encore et encore. En plus, je bois beaucoup d'eau dans la journée, donc c'est parfait. Voilà, tu vois, encore un petit coup. En général, je bois entre deux vidéos, mais là, je me lâche, ok? Voilà. Le monde est en paix, et moi aussi. Le monde est en paix, et moi aussi. Et à savoir, donc là, le truc, c'est juste d'associer cette phrase avec le fait de boire un verre d'eau pour pouvoir avoir un moment auquel te raccrocher pour y penser, créer un automatisme. Ça, c'est dans ta tête, en fait. Voilà, l'idée, c'est créer un automatisme où est-ce qu'à chaque fois que je bois de l'eau, hop, tout de suite, je pense à cette phrase, le monde est en paix, et moi aussi. Mais après, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Tu peux le faire quand tu manges. Tu vois, quand tu es à table et à chaque bouchée que tu fais, si tu veux pousser le truc, tu peux faire des méditations où est-ce que tu plonges dans la méditation et tu souhaites comme ça, tu penses à cette phrase et tu médites autour de cette phrase. Le monde est en paix et moi aussi. Tu peux, ça peut se démultiplier de plein de façons différentes. Déjà, la première action, ce serait le plus simple qui est simplement d'y penser en même temps que tu bois un coup de flotte. Voilà, c'est hyper facile, ça coûte que dalle, c'est sans effort et c'est extrêmement bon pour toi. C'est extrêmement bon pour tout, en fait, pour nous tous, voilà, pour cette planète, pour l'intégralité de ce que nous sommes. Donc, voilà, et tu peux, comme je te l'ai dit, faire ça sur plein d'autres choses, voilà, associer cette phrase à plein d'autres actions de ton quotidien. Voilà, bon, j'en ai fini pour cette vidéo que je t'invite vraiment à partager. Comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, j'arrête de te dire de partager, etc., mais voilà, il y a des fois comme ça où est-ce que ça me paraît important d'insister là-dessus. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Voilà, cadeau, offre ça. Offre ça, partage ça un maximum. Si tu vois cette publication sur les réseaux sociaux, dans ton fil d'actualité, et que ça te parle, bah vas-y, partage-le. Et même à la rigueur, si ça ne te parle pas, c'est pas grave, partage-le, parce que peut-être qu'il y a des gens, ok, à qui ça va parler. Donc, voilà. Si ça ne te cause pas à toi, ça peut causer à d'autres. Donc fais-leur au moins ce cadeau, ça coûte rien, c'est juste un pouce sur partager, ok, et tu vas de cette manière contribuer justement à cette paix dans le monde. Voilà. Donc merci infiniment pour ton action, merci à Nicole de m'avoir envoyé ce message, ce SMS, merci à tous ceux qui l'ont partagé déjà sur les réseaux, merci à la personne qui a été à l'initiative de ce concept, voilà, de ce mouvement « Bois l'eau et nourris la paix ». Je trouve ça vraiment extra. Comme je l'ai dit, j'aurais aimé y penser moi-même. Donc, merci infiniment d'avoir pensé à ça. Merci beaucoup. Sur ce, je te dis à la prochaine. Comme d'habitude, ose vivre ta vie. Prends soin de toi pour de vrai. Et n'oublie pas, dès que tu bois de l'eau, ok, le monde est en paix et moi aussi. Je vais me l'inscrire en gros chez moi. Là, je vais me faire des médites autour de ça. J'adore le truc. Donc, voilà. À la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.